Là, et juste, voilà donc différentes céréales de Bretagne. De Bretagne. Le blé noir n'est pas là parce que le blé noir n'est pas une céréale, D'accord. c'est une légumineuse en fait. Ouais. Et alors, je vois, il y a le petit épeautre. L'épeautre, c'est le blé d'autrefois, l'épeautre, ou le petit blé. Voilà, l'épeautre, petit blé. Il y a le blé dur. Bon, ça c'est donc pour le pain. Le blé dur, lui c'est pour les pâtes et tout ça. On trouve beaucoup dans le sud de la France. Et il y en a chez nous maintenant aussi, le blé dur. Voilà, le grain n'est pas le même. Le triticale, c'est une hybride. Le seigle et blé. Les épices sont plus costauds, elles sont plus fortes. Alors, il y a l'avoine, il y a L'avoine. l'orge, il y a blé barbu. Enfin, voilà, je sais pas ce que. Voilà, là. C'est une blé barbu, c'est quoi? C'est un blé. C'est un blé tout court, mais c'est un blé d'épinay pas. Qu'on appelle comme ça, Blé barbu, oui, parce qu'il y a des. Comment ça des poils. Oui, tout simplement. Oui, on va dire ça comme ça. Et ça, c'est le blé typique, quoi. Ça, c'est le blé classique. Classique, ouais. D'accord. Colza, oui. Et légumineuse. Alors, ici.